Elon Musk a proposé à Wikipédia de leur offrir un milliard de dollars pour se faire renommer d'Ikipédia et ça pendant un an. Un milliard de dollars pour cette vanne quoi Donc si vous voulez pas qu'on se fasse renommer pénis réfractaire par un milliardaire, n'hésitez pas à aller voir un tour sur notre Tipeee. C'est grâce à vos dons qu'on va pouvoir poursuivre tous les soirs de la semaine à 18h cette actu réfractaire en toute indépendance et aussi grâce à vos commentaires, vos partages et vos likes qui sont très importants. Et comme d'habitude, on va commencer avec les dernières nouvelles concernant la guerre en Palestine. Netanyahu multiplie les déclarations choc en ce moment. En plus de confondre le Hamas avec le peuple palestinien et faire l'insulte au peuple israélien d'être confondu avec sa politique, Netanyahu dépense donc de l'argent du contribuable israélien, car depuis le début du conflit, l'État israélien a dépensé 4 millions de dollars rien que pour diffuser de la propagande en publicité sur les réseaux sociaux en France. Et certains vous on en ont déjà vu avant les vidéos d'actu réfractaires. Et pendant ce temps, le contre-amiral du Tsal, Daniel Agari, déclare que l'armée continue de mener des frappes aériennes dans la bande de Gaza afin d'améliorer la situation en vue de l'incursion terrestre à venir, c'est-à-dire détruire un maximum de bâtiments pour pallier aux difficultés d'une guérilla urbaine dont le terrain donnerait l'avantage aux soldats du Hamas. Cela dit, si l'invasion terrestre de Gaza est retardée, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de plan post- et ça, c'est ce qu'affirme le Financial Times. Post-soir, ça veut dire qu'une fois qu'ils occupent la bande de Gaza, il eh n'y ben, a rien de prévu au programme. quoi. Cela expliquerait, selon le journal, la reculade des États-Unis qui, en l'absence de scénario à la fin de conflit, ne pourront pas tirer de nouvelles opportunités dans la région à l'issue de cette guerre. Le seul objectif annoncé par l'État israélien est d'anéantir le Hamas, mais Israël n'a pas spécifié ce qui se passerait à Gaza si son but de guerre était atteint. La seule solution qui semble être proposée aujourd'hui est celle de D'immenses camps de tentes à ciel ouvert en Égypte pour les 2 millions de Gazaouis. Sauf que dénoncer cela, c'est jouer le jeu du Hamas. Et ça, ce sont les mots de l'ancien premier ministre israélien Yair Lapid que vous allez retrouver dans cet extrait. If the international media is objective, it serves Hamas. If it just shows both sides, it serves Hamas. Sauf qu'ils ne font pas que le dire, ils le mettent aussi en application. Vous vous rappelez sans doute de l'intervention d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU mardi dernier, dont on vous avait déjà parlé dans une actu réfractaire. Le responsable de l'ONU y dénonçait notamment la colonisation. En représailles, l'État israélien refuse de donner des visas à des membres de l'ONU pour leur donner une leçon d'après leur dire. Sauf que l'ONU n'est pas la seule institution à pointer du doigt les crimes de guerre de l'État israélien. Le tribunal international a annoncé qu'il tiendrait en février 2024 des auditions pour comprendre les influences de la politique étrangère de l'État israélien en Palestine et les conséquences que ça a eues sur l'émergence du Hamas en Palestine. Et parallèlement, les manifestations continuent et pas que dans la rue. Hier soir, il y avait un match de Ligue des Champions et les supporters du Celtic Glasgow ont défié leur direction du club en affichant leur soutien massif à la Palestine. Ils ont chanté ⁇ Vous ne marcherez jamais seul ⁇ et il y avait même deux drapeaux géants qui ont été installés à l'extérieur du stade à l'entrée des joueurs. Et ce ne sont pas les seuls soutiens qui ont été organisés ces derniers temps en dehors des traditionnelles manifestations. Sur le jeu vidéo Roblox, il y a deux jours, des jeunes qui étaient trop jeunes pour manifester ont organisé une marche en soutien à la cause palestinienne. Et ça, vous l'aurez compris, à l'intérieur du jeu. Toutes ces informations mettent toujours un peu plus de pression sur les cadres de l'armée israélienne et tu en as d'ailleurs certains qui commencent à se défiler et préfèrent se prémunir des difficultés post-guerre en mettant... La responsabilité du conflit sur Netanyahou en lui demandant de démissionner à la fin de la guerre. Et d'ailleurs, pour finir, sa crédibilité auprès de la population israélienne est en chute libre. Elle est passée de 43% en juin à aujourd'hui 18%. La situation à l'intérieur de l'État israélien est donc très complexe, sauf qu'en attendant, les bombes continuent de pleuvoir sur Gaza. Si tu veux être au courant de la suite des événements de la guerre en Palestine, on t'encourage à t'abonner à cette chaîne ou à liker la page Facebook, ça dépend. Où tu regardes cette vidéo, et on va donc passer maintenant au reste de l'actualité. Ce lundi est sorti le tout premier rapport sur l'évasion fiscale dans le monde. Il a été rédigé par d'éminents économistes et préfacé par un prix Nobel d'économie. Bref, c'est pas des rigolos. Le rapport pointe déjà des faits importants. Déjà, les entreprises dans le monde ont gagné 16 000 milliards de dollars en 2022, sur lesquels 2 800 milliards ont été réalisés à l'étranger, c'est-à-dire dans un autre État que celui qui héberge le siège social de l'entreprise. Sur ces 2 800 milliards, il y a eu 1 000 milliards d'évasion fiscale, notamment vers les Pays-Bas, l'Irlande, les îles Vierges ou les îles Caïmans. Et ce, malgré le taux d'imposition minimal de 15% adopté par les membres de l'OCDE. Le rapport note d'ailleurs que doubler ce taux dans le monde permettrait de multiplier par 5 les recettes fiscales des États. Dans leur rapport, les économistes ont aussi pu noter que dans le monde ultra riche, il eh n'y ben, a pas d'imposition quasiment que des 0 à 0,5% de leur patrimoine total. Pour comparaison, en France, un travailleur qui gagne 1600 600 euros par mois est imposé à 3,5%, tandis que les 0,001% les plus riches en France, soit 378 personnes gagnant plus de 250 millions d'euros par an, eh ben, eux sont juste imposés à 2%. Et ces 2% sur leurs revenus, hein, pas sur leur patrimoine total. C'est pour ça les économistes. Préconise une imposition à 2% sur l'intégralité des patrimoines, ce qui permettrait de dégager plus de 250 milliards de dollars chaque année de fiscalité dans le monde. Pour eux, cela permettrait d'abonder les 500 milliards annuels nécessaires à la lutte contre le dérèglement climatique. Par exemple, avec 2% d'imposition sur le patrimoine, Bernard Arnault devrait s'acquitter chaque année de près de 4 milliards d'euros d'impôts. Mais pas d'inquiétude, hein, il a plusieurs milliards de revenus annuels, ça le ruinerait même pas. Bon, désolé de vous balancer plein de chiffres comme ça, surtout si vous êtes allergique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous qui sommes contraints de travailler, nous payons plus d'impôts que les ultra-riches qui vivent de notre travail. Et ça, les salariés de Disney France l'ont bien compris, puisqu'ils poursuivent leur employeur pour des pratiques d'évasion fiscale. Et ça, on en reparlera demain, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Allez, on change de sujet et promis, on arrête avec les gros chiffres jusqu'à la fin de la vidéo. On va parler de la police qui a falsifié des documents pour permettre l'expulsion de mineurs non accompagnés. Ces révélations du média indépendant Street Press a permis d'identifier au moins 6 procédures où des policiers ont falsifié l'âge des mineurs pour qu'ils aillent en OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire français. Les mineurs en question ont des papiers d'identité ou des actes de naissance de leur pays d'origine comportant une date de naissance prouvant leur minorité. Mais lors des contrôles, ils ne les avaient pas sur eux. Les policiers ne les ayant pas cru ont donc décidé tout seuls de leur attribuer une année de naissance. Et pour éviter toute contestation possible, les agents de police leur ont indiqué eh ben, qu'ils n'avaient pas le droit à un avocat. Et le problème de fond, c'est que des mineurs isolés ne sont donc pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ce qui est une obligation normalement. À Paris, ils sont des centaines dans cette situation et la question qu'on peut se poser, c'est si ces mineurs-là ne sont pas pris en charge par les foyers, et eh bien qui le fera? Pour finir, on va rester sur cette thématique. Quand on est sans papier en France, on peut demander un titre de séjour devant la Cour nationale du droit d'asile ou la CNDA. L'un des juges de la CNDA, par contre, vient d'être justement destitué par ses pairs en raison d'un doute sur son impartialité. Et pour cause, en consultant ses réseaux sociaux, on peut s'apercevoir que Jean-Marie Argou partage des contenus racistes, pro-Algérie française et anti-musulmans. Rien d'anormal d'ailleurs pour le fils d'Antoine Argou, qui était un membre. De l'OAS. Sauf que d'avoir des juges aussi partiaux risque de poser des problèmes avec la réforme de la SNDA dans les mois à venir dont on vous avait parlé dans une précédente quotidienne. Rappelez-vous, les juges ne siégeront plus à trois pour juger les affaires, mais il y aura juste un juge unique pour déterminer le bien fondé des demandes d'asile. Celui-ci a été destitué, mais en réalité, combien sont exactement dans le même cas et sont toujours en poste Personne ne le sait, surtout que des signalements avaient déjà été envoyés dès février et que rien avait été fait. C'est là-dessus qu'on termine. Merci à tous d'avoir regardé cette actu réfractaire. Pensez bien à partager la vidéo, à la commenter, à liker pour soutenir notre travail. Et on se retrouve demain vers 18h pour une prochaine actu réfractaire. Sur ce, des bisous. Ouais.